Eliana, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, en fait, il y a 14 ans, à la date d'aujourd'hui, donc le 27 Elul, en 2006, les corps des enfants de Herzl étaient ramenés en Israël. Ouais, on s'en souvient de cet épisode. Et en fait, c'est l'occasion pour moi, aujourd'hui, de vous parler des enfants de Herzl. Herzl qui a eu 3 enfants, puisqu'il a eu sa fille Pauline, en hébreu on l'appelle Paulina, son fils Hans, et enfin, sa petite dernière qui a eu... ils ont eu tous des histoires assez affreuses. Margaretta, Gertrude Herzl, qu'on appelait Trude. Donc, je vais vous raconter l'histoire de ses enfants et aussi l'histoire de son unique petit enfant. Donc, Herzl, en fait, avait eu 3 enfants avec sa femme, Julia. Ils n'étaient pas en très, très bons termes, on va dire comme ça. Ils n'étaient pas un couple très heureux, faut comprendre. Benjamin Herzl s'est toujours battu pour le sionisme, et donc il n'était pas très souvent à la maison. La famille, elle, vivait dans une grande ville à Vienne, et les enfants, eh bien, n'étaient pas envoyés à l'école. Je ne sais pas si vous saviez, mais ils avaient des éducateurs privés à la maison, qui est en langue allemande, en français, en anglais et bien entendu en autrichien, si on peut dire, des tuteurs en tout cas autrichiens. Alors on va parler des enfants. On a d'abord l'aîné qui s'appelait Pauline. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Pauline ? Parce que Herzl en fait avait une grande sœur qui s'appelait Pauline, qui est décédée quand elle avait 19 ans du typhus. Et sa grande sœur Pauline qui est décédée du typhus, d'ailleurs elle est décédée à Budapest, et c'est la raison pour laquelle la famille a quitté Budapest. Parce qu'on sait que Herzl à l'âge de 18 ans arrive à Vienne, mais il n'arrive pas à Vienne simplement. C'est comme sa grande sœur était décédée, et bien sa mère avait décidé qu'on allait quitter cet appartement de Budapest pour bien changer aller ailleurs. Donc Pauline Herzl est née le 29 mars 1890. Elle va décéder le 8 septembre 1930, donc une vie très courte. Elle va vivre 30 ans. Elle va être 40 ans, ça fait 40 ans. Okay, oui, 39 ans. Elle est morte à 39 ans, voilà. Oui, je suis nulle en maths, c'est pas très grave. Elle avait un nom juif, Tirza, c'est important de le dire, parce que les autres enfants n'en avaient pas. Elle a eu un grand nombre de relations amoureuses. Il faut rappeler aussi qu'elle a 12 ans quand son père... elle a 10 ans, pardon, quand son père décède. Oui. 14 ans quand son père décède, pardon. Là, je vais y arriver. Et Hans avait 13 ans. Elle ne sera pas en très bon lien avec sa famille. Elle va rompre les liens avec sa famille. Et puis, elle aura depuis toujours une insuffisance cardiaque. Elle va être hospitalisée à plusieurs reprises et aussi dans un établissement psychiatrique. Les enfants Herzl étaient connus pour être un petit peu dépressifs. À l'âge de 39 ans, elle est hospitalisée à Bordeaux, donc en France, où elle va décéder du typhus le 8 septembre 1930. Alors, il y a toujours eu une légende qu'elle est morte ou bien qu'elle consommait de la morphine et qu'elle avait fait une overdose de morphine. Mais en fait, on l'a su quand, en fait, on l'a réinhumée sur le Herzl. On a trouvé en fait qu'elle avait été enterrée dans un cercueil en cuivre et un cercueil en plomb. Pardon, les cercueils en plomb, c'était un signe que bien elle était décédée du typhus. Avec vivant dans une période de pandémie, on peut comprendre l'importance d'enterrer les malades pour les protéger. Elle était proche de son frère, et son frère donc, qui lui, Hans, alors lui Hans, il n'a reçu rien de juif, il n'était pas circoncis, il n'a pas reçu de prénom juif. Après le décès de son père, il va demander à se circoncire. Il va prendre le nom de Shimon. Mais ensuite, pendant très longtemps, il est un peu perdu. Il va se convertir à plusieurs religions. Il va devenir baptiste, il va devenir chrétien. Il va véritablement se rechercher. Puis au final, il va dire qu'il est sans religion. Pas apatride, mais à religion. Et il va dire qu'au contraire, il est nationaliste. Que sa religion, c'est le nationalisme juif, donc le sionisme. Il va s'intéresser à tout ça. Et puis, il va partir vivre en Angleterre. Il va s'enrôler dans l'armée britannique. Et en fait, en 1930, il va apprendre que sa sœur ne va pas très bien. Il va à Bordeaux pour la voir. Il est rassuré en voyant qu'elle va mieux. Et au moment où il revient, quelques jours plus tard, il revient à Londres. À ce moment-là, il apprend la nouvelle qu'elle est décédée entre-temps. Et donc, il revient à Bordeaux pour l'enterrement de sa sœur. Et le jour de l'enterrement, il se suicide sur sa tombe. Donc, il est enterré à côté. Donc, les deux enfants, les deux aînés de Herzl étaient... Pas très marrant comme chronique ce matin. Oui, mais il faut parler de ces choses-là. Les deux aînés donc, sont décédés, sont morts à Bordeaux. Et en fait, la petite troisième qui était décalée un petit peu, qui était née plus tard que ses frères et sœurs, elle avait 11 ans au moment de la mort de son père. Et puis, elle va se marier avec un... Elle a reçu un nom juif. Elle va se marier...
avec un autre riche très un autre juif pardon très riche qui est de 17 ans son aîné. Elle va avoir un enfant. Elle va avoir un enfant et après, mais bien, elle va être déportée, je crois. Elle va être déportée, exactement. C'est la seule qui va être déportée. Et en fait, son fils, puis son mari avait insisté pour l'envoyer en Angleterre en 1935. Donc, il est déjà en Angleterre et donc son fils, lui, va faire partie de l'armée britannique. Il s'appelait Stéphane. Il va angliciser son nom en Stephen. Et lui, donc, il va vivre en Angleterre. Il va passer la majorité de la guerre dans l'armée britannique. C'est grâce à cela qu'il va pouvoir visiter Eretz Israël en 1945, puisqu'il est en chemin de l'Inde, il retourne des Indes vers l'Angleterre. Il s'appelle Stéphane Herzl. Non, il s'appelle Stéphane Théodore. Théodore et Trudeau du nom de son père. Neumann, pardon, du nom de son père. Et il va donc venir en Eretz Israël, il sera très ému par ce voyage puisque pour lui il voit la réalisation en fait du rêve de son grand-père et il rêve de revenir et malheureusement il part ensuite aux États-Unis, il est à Washington et étant à Washington il apprend la nouvelle du décès de ses parents, que ses deux parents ont été déportés et ça lui fait un choc tellement grand et bien qu'il saute au-dessus d'un pont dans la rivière du Potomac et il décède. Et donc ça c'est l'histoire. Il n'était pas marié lui. Il n'était pas marié, il était jeune, il était né en 1918 donc c'était un jeune homme. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Donc il n'y a aucun descendant. Il n'y a aucun descendant et c'est pour ça entre autres qu'il y avait une telle émotion quand il y a 14 ans on a ramené les corps de ceux qui restaient pour les faire enterrer à côté. Eh bien merci beaucoup Eliana, je vous suggère peut-être avant Rosh Hashanah de nous faire une chronique plus réjouissante. Oh, mais les derniers jours c'était sympa, hein, c'était... Oui. Voilà. Merci beaucoup Eliana.